pilotes sont toujours à l'heure, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien rouler moi aussi, il va falloir que je le fasse. Vous travaillez pour qui, monsieur ? Pour la télévision. La télévision, ouais. Pour quand, monsieur ? Tous les amis aussi, on recôtoie ce milieu-là, donc je crois que c'est pour tout le monde pareil, tout le monde se fait bien plaisir ce week-end. Je dirais presque à tout le monde de venir ici parce que vraiment le terrain est top, quoi. Il est refait entre chaque manche, c'est un terrain qui n'est pas du tout dangereux, les tables sont faites de façon à ce qu'elles soient accessibles un peu à tout le monde, donc c'est vraiment une course très très sympa. Génial parce qu'on s'amuse, il y a vraiment un bon esprit, c'est ça le principal. C'est pour ça que j'étais venu là et franchement je suis pas déçu. Il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire que pour les pros plus que pros et puis pour les amateurs, tout le monde peut s'amuser. Amateur spectateur. Ben, la particularité, effectivement, on retrouve tout le monde. Et d'ailleurs, vous avez un plan ici où vous avez toutes les motos et tous les niveaux et tout âge. C'est une bonne ambiance. Jojo, quel âge as-tu ? 62 ans. Je fais 62 ans et demi. Là, les copains, sur le terrain, on les plus. Ah non, non, pas de cadeau, hein. On va se tirer la bourre, tout. Oui, oui. On va faire avec, hein. Jean-Luc me demande d'amener des motos pour montrer aux gens qui n'ont pas connu cette époque-là de voir l'évolution des motos au travers les années. Donc c'est avec plaisir que je ramène des motos qui m'appartiennent et puis des motos qui appartiennent à des amis. Il y a 40 ans qu'elle marche, il n'y a pas de raison. C'est comme une danseuse. Elle nous donne des joies, mais beaucoup de tourments. He who breaks the law goes back to the house of pain. He who breaks the law goes back to the house of pain. Bah, c'est le plaisir avant tout sur une piste superbe avec une organisation superbe, donc il n'y a rien à dire, c'est vraiment un week-end qu'il ne faut surtout pas rater dans l'année. Catégorie des pistes, je vous rappelle, celui qui va être...
Elle est fatigante, la brelle. Alors cette course? Magnifique. Tout est bien. Et le classement? Oh, c'est autre chose. C'est trop bien. On va rouler un petit peu pour voir un peu comment est la descente. Maximilian Morals, difference in opinion, I was with him. He had seven Jack and Coke in him. They had platform heels, nose job bills. Some look like the air with the fucked up grill. Supermodels on my D, 1, 2, 3. He said 2 for you and 2 for me. Face like a saint, sucking like a sinner. Cocaine makes you thinner, cocaine makes you thinner. I got supermodels on my D. Supermodels on my D, D, D. I got supermodels on my D. On est venu faire un petit coup de vélo, mais on était surtout faire un coup de moto entre potes. À fond, à fond, à fond. C'est trop classe, hein. Moi, c'est le feu quoi. Faut pas pédaler, c'est cool. Faut reprendre un bon départ la prochaine fois. En plus, sans compter la fête de ce soir quoi. Putain. Ça fait 5 manches en tout. Ah bah oui. Oh putain. Qui reste? Ça craint, hein. Oh. Moi tu sais, je viens ici, j'ai une bonne moto, il y a un beau circuit, une bonne organisation, les gens heureux de vivre, c'est tout quoi, le plaisir il est là. Et des fans. Des fans, surtout des fans. Des fans? Ouais, des fans aussi bien sûr. Quitter toi. Quitter pour être là toi. T'as changé de caméra? Attends, t'as acheté où le micro là? Il vaut 3,50 francs ce micro là. Qu'est-ce qu'il nous fait avec? Et l'autre il filme par derrière. Non mais attends. Bon, c'est pas parce que c'est la MX Oxbow et tout le monde vient là pour s'amuser qu'il faut que tu viennes pour t'amuser. Hein. Fais ton boulot quand même. Regarde comme t'es habillé. Concert Shinglar Blue, 10 000 spectateurs, 700 pilotes, 30 exposants. C'est une belle kermesse. Bon week-end, bon week-end, bon week-end, bon week-end. Bon,
suis juste derrière Jackie, tu me regardes, hein. Je suis juste dans cette danse à roue dans la dernière bosse là-bas. Et on finit maintenant la main sur le plateau. A tout à l'heure. J'avais le numéro 111 pour la première fois de ma vie, tout le monde m'encourageait, j'étais à l'arrêt, cool, c'était... Non mais là je vais m'entraîner cet hiver là. Ce qui m'a fait plus rire dans cette course, c'est que Thierry Picard, mon coéquipier, il est parti avec les lunettes encore sous la visière. Donc je pense qu'il s'est arrêté dans les bois pour remettre les visières déjà. Tout le monde est excité en fait, on est dans l'esprit de la course encore une fois. C'est quelque chose que je connais, et avec les courses d'endurance, bon bah là, l'occasion de le mettre en pratique un petit peu sur un terrain de cross, ça change un peu de l'ordinaire. Mais bon, c'est sympa surtout de le faire avec Thierry, c'est un copain d'enfance, on a roulé en cross tous les deux il y a une dizaine, quinzaine d'années même. Et bon, bah maintenant de se retrouver sur un terrain, faire une course ensemble, et en plus la gagner, c'est top.